Legrand. Bonjour Marie-Pierre Glaviano de chez Caldi. Bonjour madame. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins. Alors on comprend bien qu'il y a un dogme dans votre profession qui est le secret médical, mais dans des cas comme celui-ci, pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas ? Alors déjà, si vous voulez, je souhaitais rappeler quand même que nous sommes, selon notre code, le code de déontologie médicale, nous sommes le défenseur de l'enfant, donc nous jouons un rôle dans la protection de l'enfance, hein, selon l'article 43 de notre code. Deux façons de voir la situation. Le médecin libéral de terrain se situe dans un rôle de repérage et de dépistage. Et donc là, il a des soupçons concernant de la maltraitance. Donc là, il aurait la possibilité de faire une transmission d'informations préoccupantes à la cellule de recueil d'informations des informations préoccupantes, la CRIP. Donc là, comme vous le comprenez, on est dans du repérage. Oui. Et le médecin n'a pas à apporter la preuve. Deuxième situation, on n'est plus dans une situation avancée d'urgence où là, le médecin constate de la maltraitance, des sévices. Et là, nous sommes dans une formulation de signalement auprès du procureur de la République. Donc voilà. Ça, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que non seulement les médecins peuvent le faire, mais ils doivent le faire. Oui, les médecins doivent le faire. Selon l'article 43, nous avons un rôle dans la protection de l'enfance. Donc là où les médecins ont peur, et c'est ce qu'a dit Maître Crespin, l'avocat de l'association de l'Enfant Bleu, peur justement eh bien, d'être en contradiction avec les règles du Conseil de l'Ordre, au contraire, au vu de cet article 43, ils ont cette obligation de signalement. Alors, tout dépend, si vous voulez, à quel niveau nous souhaitions. Si nous sommes dans le repérage et le dépistage, ce n'est pas un signalement, c'est une information préoccupante. Et là, nous n'avons pas à apporter la preuve, bien évidemment. Si l'enfant est réellement en danger et montre des maltraitances physiques et psychologiques, là, nous sommes dans le signalement auprès du procureur de la République. Mais vous avez entendu les chiffres, effectivement, et c'est ça qui est assez troublant. 5% seulement de signalements émis par des médecins, par peur de représailles, si j'ose dire. Je pense que le problème est beaucoup plus compliqué que la peur du représailles, si vous voulez. Il faut voir quand même que le signalement est compliqué et une situation complexe. Et le médecin Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit plus simple et que la parole puisse davantage se libérer de votre côté, du côté des médecins? Je pense qu'il faut arriver à établir une collégialité au niveau du signalement. C'est-à-dire que le médecin passe à un patient mineur, en l'occurrence, est complètement isolé et ne devrait pas être isolé pour prendre cette décision, si vous voulez. Donc, l'alternative, bien évidemment, c'est aussi de faire hospitaliser l'enfant qui est en danger. Et là, il peut s'appuyer sur le secteur hospitalier pour réaliser le signalement. Voilà. L'isolement du médecin seul sur le terrain, c'est ça le problème, est une grande difficulté quand même. Oui, c'est-à-dire que le médecin se sent seul contre tous, il n'arrive pas à prendre sa décision. Et vous, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est qu'il peut en référer à d'autres médecins pour pouvoir le guider. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à travailler en réalité sur le repérage. Le repérage avec cette transmission d'informations préoccupantes au niveau de la crypte. Et ça, il faut que ça va être notre principe. Ça va être notre principal travail. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Marie-Pierre Glaviano. C'est Caldi, vice-présidente de l'Ordre des médecins.